Bonjour, bonjour à tous. Bon matin chez vous. J'espère que ça va, votre impacteuse. Bon, j'ai deux informations très importantes. Oui, je vais commencer par la plus importante. Vous, les résidents permanents, les nouveaux résidents permanents qui avaient eu le visa maintenant, c'est la première fois que vous rentrez au Canada. Mes parents africains, mes frères, ce que je peux vous demander en ce moment-là, ce n'est pas la peine de prendre vos billets d'avion. Oui, vous allez me demander, mais les aéroports ne sont pas fermés, les frontières ne sont pas fermées. Oui, les frontières ne sont pas fermées, mais il y a certaines personnes, quand elles rentrent ici avec leur visa de résident permanent, qui viennent immigrer pour la première fois, on les retourne parce qu'on dit que c'est un problème de santé publique, affaire de COVID-19. Il y a beaucoup de personnes, mais on a un proche vraiment qui a reçu sa famille. Tenez-vous bien, on lui a dit, bon, donne-nous ton passeport ici et puis allez faire le confinement. Quand il est revenu pour récupérer le passeport et la famille, l'agent de l'immigration qui l'a trouvé a dit, non, ils sont même pas supposés rentrer. On ne devait même pas les laisser rentrer. Et puis jusqu'à il va faire confinement et puis il va venir récupérer son passeport. Mes amis, on les a retournés samedi. Je vous raconte une histoire authentique. Donc actuellement, si vous avez eu le visa, restez encore au pays. Donnez-vous au moins un mois et demi, le temps que ça dit d'ici qu'on va commencer à tomber dans avril là, on va commencer à voir dedans. Pareil, cette affaire-là. C'est ça. Donc on va commencer à voir. Si vous êtes pressé que vous preniez, bizarrement, il y a certaines compagnies d'avion, eux qui disent non, on ne peut pas vous vendre de billets. Et il y a d'autres qui vendent des billets. Tu imagines-toi, tu as déjà dit au revoir là-bas, on a dansé, tu as caché aux gens même que, oh, je m'en vais quelque part, et puis tu venais au Canada, et puis vous pouvez vous imaginer, cette famille-là est retournée pour attendre que les lois soient claires, pour attendre que l'affaire de COVID-19 là soit bien claire d'abord, et puis ils vont revenir. Donc moi, je vous conseille vivement, si vous êtes de nouveaux résidents permanents, actuellement, ceux qui sont libres de sortir, rentrer ici, c'est les Canadiens. Mais même quand les Canadiens rentrent, il y a affaire de 2 000 $ derrière eux, hein, où tu allais rester dans un hôtel que eux ils ont choisi. Mais dans l'hôtel là-bas, tu te côtoies aux gens là-bas. Donc, ça veut dire que là-bas encore, tu peux prendre le COVID-19. Pourquoi les gens ne font pas le confinement chez eux à la maison et puis on leur demande d'aller à l'hôtel? Tout ça, c'est pour renflouer les caisses de l'État. Voilà. C'est ça. C'est pour avoir l'argent. Moi, c'est comme ça que je vois. Donc, ne prenez pas le risque de venir, que tu sois étudiant. En tout cas, ceux qui sont habilités à rentrer ici, c'est les citoyens canadiens. À part ça là, ne prenez même pas le risque. Ou bien des résidents permanents déjà qui étaient déjà ici, mais les nouveaux là, c'est trop compliqué. Restez là-bas, vous attendez que les choses se calment un peu, ce soit bien clair et pour vous venez pour de bon avec la famille. Dans tous les cas, le Canada ne fuit pas. Je crois que le visa, quand tu l'as, tu en as pour 6 mois d'abord. Donc, vous avez encore du temps. Je pense que d'ici avril, mai, là, on va être clairement situé dans cette affaire de ce qu'on a de recevoir les gens ici au Canada. La deuxième bonne nouvelle, c'est que il y a le recrutement Santé Québec. Recrutement Santé Québec, c'est le recruteur officiel du ministère de la Santé du Québec. Voilà. Donc, bientôt, ils vont aller en France. Oui, ils vont aller en France, en Belgique et puis au Brésil. Oui, les 3 pays là, ils vont aller là-bas pour faire du recrutement. Ils ont 1 700 professionnels de la santé à recruter. Il y a infirmiers, infirmières avec les préposés aux bénéficiaires. Préposés aux bénéficiaires, je crois que, bon, gens aides-soignants, ceux qui s'occupent des personnes âgées, qui s'occupent des gens là-bas. Donc, soyez aux aguets, je vais vous mettre le lien. Vous allez me demander, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais le lien là en description YouTube, là, c'est en bas, vous cliquez les petits points qui sont là, vous allez voir, c'est ça. Maintenant, ici aussi, sur Facebook, ici, je vais vous mettre ce lien-là pour que ceux qui sont intéressés, vous suivez ça. Si vous êtes en France, parce que souvent vous êtes là-bas, l'impacteur, je suis aide-soignante ici, est-ce qu'on peut venir? Bon, il y a un recrutement qui se programme dans tous ces pays que j'ai cités là. Prenez le temps de bien lire, c'est aussi clairement expliqué. C'est des CIUS, c'est-à-dire, bon, c'est des hôpitaux, différents hôpitaux qui sont vraiment dans la pénurie extrême. Donc, ce sont eux qui ont demandé au ministère de la Santé, vraiment, ils ont besoin de ça, c'est urgent. Parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben, hé, Arima, il y a des infirmiers qui attendent dans Arima. Donc, je ne comprends pas tout comme vous, ben, que voulez-vous? Donc, c'est ça. Si vous êtes intéressés, suivez ça de près. Et puis, vous allez savoir où ils vont aller. Par exemple, le lien là, ça va vous emmener plus tard de là où ils vont recruter. Vous qui êtes en France, je pense que vous pouvez, comme voir à Pôle emploi, tout et tout, les affaires d'emploi, ils sont aussi en contact avec le Québec par rapport aux emplois. Donc, regardez ça bien. Partagez cette petite vidéo-là parce que l'affaire de faire retourner quelqu'un qui est habilité à rentrer, et puis quand il arrive,
Parce que le problème, l'agent de l'immigration, il est autonome. C'est ce que j'explique. C'est ça, ils sont autonomes. C'est-à-dire que l'autre qui avait fait rentrer notre proche là, lui, il avait fait ça, bon, je ne sais pas pourquoi, il dit, bon, on va faire le confinement. Quand vous allez finir le confinement, vous venez chercher le passeport. Ou ils viennent chercher le passeport, l'agent qui l'a trouvé a dit, non, moi, je ne vous reconnais pas, vous n'êtes même pas supposé rentrer. Voyez-vous, donc, prenez le temps, respirez un grand coup, même si vous avez eu le visa, vous êtes pressé de venir. Calmez-vous parce qu'actuellement là, c'est trop chaud ici à faire du Covid là. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous demande de partager ma vidéo parce qu'il y a des informations d'emploi dedans. Et puis il y a une bonne information aussi par rapport à ceux qui veulent rentrer. Prenez soin de vous, votre impacteuse toujours. Au revoir.